Et salut tout le monde, c'est Trimano et aujourd'hui je suis avec Jake pour le bras de fer de la semaine. Et Salut à salut tous. Jake. Salut Trim. Et salut Jake. Et du coup pour le retour de Mekasa de la Vengeance. Donc cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas tout seuls puisque ce bras de fer se déroule en coop. Donc Mekasa de un méca méchant qui revient prendre sa vengeance car on lui avait botté le cul la dernière fois. C'était il y a quelques semaines dans le bras de fer. Et donc il est revenu plus décidé que jamais. Donc quelques changements évidemment. On va pas se retaper le même bras de fer que la dernière fois. Ça n'aurait que peu d'intérêt. Et principalement, enfin et surtout même, c'est le changement sur les classes. Parce que la dernière fois nous jouions Paladin et Prêtre. prêtre, si je ne dis pas de bêtises, voilà exactement, paladin et prêtre, et aujourd'hui nous jouerons mage et druide. Donc petit combo, on va voir ce que ça va donner, hein. On va essayer de le tomber, et autre changement donc notable, c'est que cette fois-ci nous disposerons des cartes de la Ligue des Explorateurs, donc la Ligue qui n'était pas encore sortie pour le dernier bras de fer contre Mikazod. Du coup, j'ai lancé le bras de fer, du coup... Jake, normalement, ça t'attend. Ah bon? Pas de bêtises. Non. Dans l'attente de Jake pour le bras de fer. Donc, Non, let's non. go. Hop. Vas-y. Réessayons. Tata, déchire au bras de C'est fer. bon. Hop, et c'est parti. Hein. Donc, des decks Merci, pré-construits. Vacandre Et la malfaisant! classe, nous ne la choisissons pas. Elle est Je attribuée vois au tout de hasard du suite jeu. que la Et partie donc, Medivh, commence. hein, donc c'est le skin du mage sur Hearthstone que vous pouvez avoir dans la boutique. Hop, donc là, on a une main départ Alors, classique, enfin, je veux personnellement, dire. j'ai Bran, le Drake Azur et une boule de feu. Tu mulliganes tout, t'enlèves tout. Hop. Si, je vais tout enlever. Du coup, qu'est-ce que t'as reçu? Une déflagration des arcanes, le roi Mukla et un mage ancien. Pas mal, pas mal. Moi, je crois que je vais avoir la meilleure main du monde. Avec Croc Zombie, double croissance sauvage et Chroniqueur Chaud. Donc, voilà le Mikazod qui entre en jeu. Donc, sur mon board, évidemment, quand c'est le tour de Jake, et bien Jake, comme ça, pourra taper le Mikazod. Ouais. Quand ce sera mon tour, il ira sur l'autre partie du board. Et je pourrais lui infliger des Est-ce que je dommages. lui lance la déflag de suite ou est-ce que je passe mon tour? Non, t'attends qu'il y ait du spell power sur Oui. enfin, des créatures avec des sorts pour lui faire plus mal. Hop. Alors. Donc, nous, on va pièce croissance sauvage. Et on va passer le tour. Là, il nous fait des dégâts. Dans le deck, il y a énormément de heal normalement. Voilà, comme vous le voyez, Mekazod qui dispose d'un arsenal de sorts assez, bon pour l'instant, pas beaucoup fourni, mais vous allez voir qu'il y en aura beaucoup plus en avançant dans la partie. Il ne restera pas qu'avec deux d'attaque. Donc là, tu peux passer. Il gagne plus d'attaque, donc il passe 4, 95. Donc 95 points de vie, c'est long à tuer. Hop, donc là, je refais la deuxième croissance sauvage. Et je pose le croc zombie. Hop, donc là il nous refait des dégâts. Alors, claque, Profite de qu'est-ce que suite de son t'as? bleu zap. Ça va, c'est mieux qu'il le fasse maintenant qu'il le Ah fasse oui, quand ça il y c'est a 10 sûr. d'attaque. Du coup, j'ai une déflag et je viens de piocher une torche oubliée ou sinon un Romukla. Je pense qu'on peut faire le roi Mukla. Parce que comme ça, s'il fait les tonneaux, le roi Mukla ne meurt pas sur les tonneaux. Voilà, ça c'est nickel. Ah, bon, bah, il le tue, pas de chance. Du coup, Non, moi il je le vais tue pouvoir pas. suicider mon. Ah oui, non, il le tue pas. Ah oui. Inflige. Ah oui, non, d'accord, je croyais qu'il tuait le serviteur qui avait l'attaque la plus puissante. Oh, c'est parfait ça. Hop, du coup, moi je vais suicider mon croc zombie pour te heal. Hop, je vais mettre le sylvanier du bosquet. Ah, Je vais nous les faire rois des champs. piocher. André Cazur. Et je vais mettre une banane sur le Sylvanier, comme ça il meurt pas encore sur les tonneaux. Donc là il gagne plus de attaque. Hop.
Et donc il rechange de côté, du coup. Là, tu devrais le taper avec le roi Mucla, parce que de toute façon, il t'a pas d'intérêt à faire, à ne rien faire avec lui. Un point de vie. Du Du coup, là, coup, t'as quoi? toujours ma déflag, un mage ancien, un vendeur de rafraîchissement qui vend des beignets, une torche oubliée ou un oracle froid de lumière que je peux poser. Mais l'oracle, je pense qu'on va faire piocher. Une torche Ça, c'est oubliée bon. et un oracle encore. Ok, donc là, le prochain tour, tu pourrais mettre la déflag et les torches. Vu que je vais jouer avec le Sélénien et le Chroniqueur chaud. À condition qu'il ne les tue pas. J'ai fait gagner les stacks dans la main. Donc là, j'attaque pas encore Que le serpent par de Jade. rapport au tonneau pour éviter qu'ils essaient qu'ils tuent mon chroniqueur chaud et le sélénien. Donc je n'ai plus le sélénien. Mais je pense quand même que là, tu fais mage ancien et déflagration des arcanes. Il y a un cap de mana, le mage ancien, et ça, c'est bien. Du coup, elle doit taper à 10 là normalement. Ou 8. 8. À 8. Donc là, on lui a déjà. Enfin, déjà enlevé 15 HP pour le moment. Est-ce que je lui mets l'oracle dessus ou pas? Oui, tu peux tuer l'oracle maintenant. Tu peux le suicider. Hop. Voilà, donc on avance. Donc là, le sort détruire le chroniqueur chaud hein, avec le petit. Le pet, Wolpertinger. c'est. Wafalting, exactement. C'est un pet qu'on avait. Grâce à une carte de la Blizz, je dis pas de bêtises. C'était pas sur la fête des brasseurs plutôt? Ouais, je dis des bêtises, hein, comme vous voyez. Bah, 600 brasseurs de feu. Ça me semblait que c'était. Ou alors je confonds avec un autre. J'ai la mémoire qui flanche. Et les yeux rouges, comme dirait Que le Trio. feu J'ai encore des bêtises en plus. Hop, du coup, si moi tu je vais jouer m'aimes, Stalag. creuse-toi. Un croc zombie et on va jouer une banane sur le Sylvenier et on va taper avec. On va le descendre, on n'a pas d'intérêt à le garder en vie pour l'instant. Très bien, donc là il joue les tonneaux, donc je me prends pas mal de dégâts. Ça Aïe fait aïe pas spécialement plaisir, mais bon. Là du coup, t'as Bran, c'est ça dans la main? Non. T'as du Non, heal non. à part le vendeur de J'ai rafraîchissement? donc le vendeur, une torche, un Drake Azure, une torche encore, un oracle, la bête ou un vendeur. Encore. Là, je pense que tu double torches dans Mekasad. On va essayer de le descendre le plus rapidement possible avant de mourir. En plus, t'as ton géomancien qui donne plus de bonus, plus de dégâts au sort, donc c'est vraiment cool. Hop, aïe. Mal. Bon, je viens de top deck. Le toucher guérisseur, hop, du coup là on va mettre Fugain plus le toucher guérisseur pour essayer de pas mourir sur les tonneaux ou sur le double zap. Plus grand bien en face. Hop, donc là le petit Tadus qui devrait pop, la petite 11 normalement. Et voilà, il est beau, il est fort, le voilà, c'est petit Tadus. Et du coup, je dirais de. T'as pas top deck Bran à tout hasard. Non. Je viens Je d'avoir dirais de. l'armure animée, pardon. Du Mais coup, je plutôt les vendeurs. Ou Oui, je joue les l'oracle. vendeurs, faudrait pas. Enfin, on peut pas mourir, non, je joue les vendeurs, on va pas. Bah, On va vendeur. essayer de celui, il est pas prendre trop de Et risques. je peux jouer l'oracle. Ouais, bah, je joue l'oracle alors, dans ce cas-là. J'espère qu'il va pas tuer mon. Non, il peut Je pas viens tuer de mon piocher Tadus. l'entité et Bran. Ah, du coup, le prochain tour, tu pourras faire Bran plus le vendeur, ce qui va nous heal tous les deux de 8 PV. Ah, j'ai. Tiens, on pourra faire un truc assez fun le prochain tour. Du coup, moi je pense que je vais force de la nature là pour profiter du potentiel de frappe de Tadius. Force de la nature, rugissement sauvage. Hein. Donc la combo, on connaît si bien chez le druide, hein, en ladder qui fait 14 de dégâts sur un bord de ville. Hop. Et donc là, on lui a fait
4, 12, 12 et 13, on lui a fait 25 points de dégâts, donc on avance dans les dégâts encore et toujours. Il s'est fixé des priorités, qui inflige des dégâts aux serviteurs, c'est l'attaque la plus puissante, mais il n'y a pas de serviteur sur le board, donc là c'est vraiment, vraiment mieux lâché, si vous puis dire. Non, attends, fais pas ça, non, là tu fais l'entité miroir. Tu veux pas que je fasse le vendeur? Non, non, fais un entité miroir, là on est pas sous... On n'est pas sous pression de mourir. Hein. Travail terminé. Tu vas dire un petit miroir. Merde. Bon, c'est pas grave. Non, c'était parce que je voulais poser la pièce juste à côté. C'est pas grave. Je vais juste le retarder d'un tour. Hop, hop. On va faire un petit peu de Ken. Donc les deux enseignantes et la colère, et 3 de dégâts sur Mekazod du coup. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Sa vie descend, il gagne plus de attaque. Donc là on est toujours pas en danger de mort vu qu'il peut nous faire que 10 points de dégâts. Mais je pense qu'on va quand même vendeur entité miroir. J'ai fait vendeur entité miroir. Comme ça, on va remonter tous les deux à 26 HP. Vu que Bram qui... Dès que les cris de guerre se déclenchent 2 fois. Donc double ration de beignet. On est les Homer Simpson de Hearthstone. Hop. Et donc là, tu ping. Et voilà. Sauf si t'as quelque chose à jouer pour 2, mais je pense pas. Du coup, double ça. Très bien, ça c'est le mieux qu'il pouvait nous faire, vu qu'il nous laisse nos créatures sur le board. Hop. Oh. Oh, oh, oh. Aviana ou Scenarius? Bon, on va faire les deux. Et toi, je te donne Aviana, du coup. Ouais, je vais te donner Aviana. Hop. Donc là, on joue Aviana. Donc, l'animation de Aviana qui a vraiment la classe, hein, qui arrive en volant avec ses ailes. Ses ailes de harpie. Hein. Et on passe au Scenarius. Et boostons tous nos autres serviteurs. Est-ce que j'ai pas l'étalage? J'ai 5, j'ai 10, j'ai 16. J'ai 16, ça fait passer à 19. T'as quoi dans la main, toi? Une explosion pyrotechnique. Un Drake Azure, la bête et l'armure. On peut essayer de l'étaler ce tour-ci. Si ne trade pas des créatures, tu peux le tuer avec l'explosion pyrotechnique et le board que t'as actuellement. Espérons. Aïe. Aïe. Bon, du coup, tu le mets à 5. Enfin, tu le mets à 4 vu que t'as 15 points de dégâts, pas de chance. Du coup, t'as quoi dans... T'as du heal dans la main? Non. Non, j'ai un Drake. J'ai une armure, ouais. Fais Drake. Moi, est-ce que tu es top deck? Troxor. Leroy. Ah, tiens, ça. Non, bah là, tu fais armure animée pour pas mourir. Et tu mets tes deux créatures dans le machin. Le mecha, ça roule. Hop. Voilà, et tu... Heureusement qu'on avait l'armure animée, sinon tout serait... Mais du coup, c'est peut-être moi qui vais y passer. Hop, piochon. Ah, les grands espaces. Je peux le mettre à 7. Là, je peux lui faire 5. 5 et 7, ça fait 12. Je peux le mettre à 2 points de vie. Ou alors je peux essayer de piocher avec ma colère. Quoi qu'il arrive, j'ai une explosion pyrotechnique derrière. Ouais, mais c'est que s'il me tue, en fait, je suis mort. Ah ouais. Sinon, j'ai une torche en flamme. Là, en fait, tu le tueras avec l'explosion pyrotechnique, de toute façon, si je le tue pas là. Je vais essayer de piocher, voir si je peux pas avoir un létal. C'est pas létal, ça. Si je meurs en le tuant, est-ce qu'on gagne ou on perd? Je sais pas. On essaye ou pas? Toi qui vois, dépêche-toi. Non, c'est bon. J'ai pas envie de tuer la game. Ah, c'est bon, on a gagné! Ah, il est facile ce jeu. Hein.
franchement, on a déjà été en galère et tout. Et là, je trouve. Ouais, trop... Arthur, c'était vraiment ça. Ouais, tu pyroblastes moi au lieu de Mekazan. C'est le décès. Bon, voilà, bah, du coup, tu le tues de. Porte la quête des manières. La plus belle, celle qui te sied le plus. Ouais, je regarde. 8. Ah, bien. Lira Jenkins. Le plus beau, le plus fort. Et c'est la torche oubliée qui le finit. Torche oubliée, donc une nouvelle carte de la Ligue des Explorateurs. Et du coup, pousser la fin pour Mekazan une nouvelle fois. J'imagine, encore une fois, en changeant de classe ou. Donc voilà, c'était Trimano et Jake pour le master de la semaine, donc contre Mekazod à 2 contre 1. Donc comme vous avez pu le voir, un combat vraiment très facile, hein. On n'a jamais été sous pression ou en galère, hein. Tout s'est très bien passé selon les plans, hein. Ou pas. Donc voilà, si ça a pu vous aider pour votre bras de fer, n'hésitez pas à liker et à suivre Ivasun Studio sur tous les liens qui seront dans la description. Il n'y a besoin que d'un clic. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer. À la prochaine.